Hello mes amours, comment nous y est? Je dis encore nous tourner avec une nouvelle vidéo. Ok? Vidéo nous côté pour ces poissons. Nous allons montrer comment que bien facile, bien rapide, nous capable faire ces poissons ou dans four. Ok? Ingrédient principal n'a besoin pour nous faire ces poissons. Ok? Là nous des poissons nous des citron pour nous capable laver. Nous gagnons beurre. Là, nous gagnons pour de paprika, pour de l'ail, pour de adobo et puis cayenne pepper. Nous gagnons pour nous mettre là-dedans. Nous gagnons épices blendées. Vidéo épices dans les sous-channels là, vous pouvez checker si vous avez. Là, nous gagnons persil. Nous gagnons un piment piqué avec chivouf là-dedans. Nous gagnons des oignons. Nous gagnons poivron rouge, orange, vert, jaune. Et puis nous gagnons un grain de maggi beurre. C'est tout ça que nous allons utiliser pour nous capables de faire. Ok? On allez. Ok, pour mettre ça, je vais faire, je vais nettoyer les poissons. Hein? Je vais bien gratter les pour bien saisonner, pour me laver. Ok? L'aime fin laver li de ça m'a mettre sel dans de ça et puis m'a purer citron dans de l'eau m'a mettre dans de citron avec sel ça m'a quitter le fait 30 minutes. OK, mais on va quitter le fait plus temps. Tant que quitter le fait plus temps, laisse ça citron avec sel la plus bien entrer là-dedans la plus bon. Toujours filant les poissons leur fin la ville. OK, si nous la si nous filant le pendant que n'a lavé là le capable sentir du c'est là nous fin bien nettoyer les poissons nous bien saisonner bien laver c'est là nous filant les poissons fin bien lavé guys. OK, bien gratté, bien saisonner, bien laver. Là nous pour nous capable filant les connier. Nous faisons une filange, nous mettons dans le sel avec le citron hein, pour 30 minutes. Passons à hein, fait pile temps 30 minutes dans le citron avec celle-là. Je retire le mon bien séché pour nous faire l'épicé. Ok? Là, je vais un citron, deux citrons de préparer. Je vais mettre l'épice blendée, je vais mettre là-dedans. Je vais mettre toute l'autre épice. Je vais faire un seul mélange pour que je puisse épicer le poisson. Ok, là, je vais finir de mélanger. Je vais épicer le poisson. Je vais commencer en dedans. Ok guys, la poisson fin bien trempé, bien épicé. N'a pas quitté là pour 30 minutes encore avant que nous cuisons. Nous gémons nous là, n'a mettre un petit l'huile là-dedans, tout petit, un petit l'huile d'olive. Et puis nous allons déposer le poisson. Là. Nous gagnons une partie dans le poivron avec le poivron, nous allons mettre en dedans. Nous quittons le reste pour nous mettre le presque fin cuit. Et nous allons faire un petit bleu. Ajoutez piment noir, nous mettez là exactement sur cette ligne. Nous ajoutez persil. Hein. Là, on a ajouté beurre. Là.
Je vais mettre beurre, mettre persil, mettre piment, mettre poivron en deux façons. Hein. Là, on a craqué ma guine. Hein. Nous allons couvrir avec papier aluminium. On va mettre le morceau pour à peu près 45 minutes. Là, on commence à cuire piment avec persil à la dégager donc ton odeur. Okay. M'a découvert lui, m'a quitté le faire 10 minutes encore pour un lait capable prendre couleur. Ouais. Bien yo avec poivron yo. Nous va le préparer yo pour nous capable mettre là, n'a fait un petit acide genre. Nous gagne citron avec piment haché là dedans, nous mettre. N'a mettre un petit peu d'adobo. Ou bien on va mettre poudre Maggi si vous voulez, c'est même bagaille là. Et puis on mélange. Poisson fin fait, guys. C'est vraiment goût, vraiment bon. Mes amours. C'est vraiment goût, vraiment bon. C'est vraiment bon. Je souhaite que vous êtes content de la vidéo. Please, pas oublier. Like, partager, commenter, abonner. Ok? Bye!